Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo bikini avec Sissi. Aujourd'hui on va faire des abdos pour avoir ce fameux ventre plat dont vous rêvez toutes, hein, puisque vous avez été super nombreuses depuis des mois à me demander cette vidéo. Donc là je me suis dit qu'il était enfin temps que je la fasse et que je me motive, voilà, même s'il est 7h du soir et qu'à 7h du soir on n'a pas forcément toujours envie de faire des abdos, je vous l'accorde. Et comme on va en faire ensemble, voilà, ça va aller beaucoup mieux. C'est le type de séance que je fais habituellement. Ce sont des exos que je connais. Alors comme j'ai pas de chronomètre, ça sera pas forcément un temps à chaque fois parfait sur chacun des mouvements, mais je vais essayer quand même de compter un petit peu dans ma tête pour qu'on se retrouve avec quelque chose d'équitable à chaque fois. Et donc c'est parti. Donc on commence avec des abdos tout à fait traditionnels. On souffle bien. On souffle quand on remonte, hein. Et surtout, on ne tire pas sur la nuque. Donc là, c'est vraiment, je pose mes mains pour faire semblant, mais surtout, je ne tire pas. Je pourrais les faire, voilà, comme ça, sans avoir à toucher ma tête. On respire bien. Et l'important, c'est de vraiment contracter vos abdos. Inutile de lever très très haut, le plus important, voilà, c'est que vos abdos soient contractés et qu'ils soient bien durs quand vous vous relevez. Allez, on continue, on se motive et surtout, on n'abandonne pas. C'est que le début, mais vous allez voir, ça va vous faire un bien fou quand vous aurez fini. Donc on va maintenant passer avec le travail des obliques. Donc on met toujours la main derrière la tête dans la même position. On va travailler sur le côté. Donc là, on choisit une jambe et on s'y tient pendant quelques temps. On changera après. Donc là, c'est pas l'important, c'est pas de relever, voilà, juste l'épaule, de faire semblant, parce que voilà, faire ça, tout le monde est capable. L'important, c'est vraiment de contracter les abdos pour relever le buste et aller toucher votre genou. Et surtout que votre genou ne vienne pas vers vous, parce que si vous faites ça, voilà, ça n'a pas beaucoup pour muscler les abdos. Donc moi, je sens déjà que ça brûle, j'espère que vous aussi, sinon ça, vous ne travaillez pas assez. Continue de souffler comme d'habitude et vous allez voir, on va arriver au bout de la séance plus vite que vous ne le pensez. Donc là c'est toujours pareil, je ne tire pas avec ma main, c'est vraiment je mets mes mains là comme ça pour les tenir, mais ça ne doit pas tirer la tête et encore moins sur la nuque. On change de côté. Donc là, il doit vraiment y avoir une rotation du buste. Souvent, on oublie de travailler les muscles abdominaux obliques, mais c'est super important parce que ça va quand même définir votre taille et ça va faire ressortir vos abdos. Donc il ne faut surtout pas faire un pas sur ces abdos-là, je pense. On souffle et on continue. On n'oublie pas de souffler comme d'hab. Allez, on continue les filles, c'est bientôt fini. On va maintenant travailler donc le bas des abdos avec un exercice. Donc je vous conseille fortement
de placer vos mains sous vos fesses. Ça vous évitera d'avoir mal au dos. On lève les jambes. On descend et on remonte. Et on souffle en remontant, bien sûr. Ce chignon derrière la tête me gêne, j'aurais surtout pas dû faire ça. Donc moi, c'est vraiment mes exos d'abdos que je préfère. Donc c'est ceux qui font travailler le bas. On continue, on tient bon. Allez, on repasse maintenant à un travail des abdos, donc sur la partie supérieure. On se replace comme ça et là on va aller pousser les mains à travers les jambes. Vous vous sentez comment les filles? Moi je me sens déjà fatiguée. Mais bon, c'est quand on est fatigué justement que c'est bien. Sinon, c'est qu'on ne travaille pas. Allez, on va y arriver. On tient bon. Allez, maintenant on passe aux obliques de nouveau. On se met sur le côté comme ceci. Et on... Donc on se relève comme ça. Ben, vous le voyez hein, ce qu'il faut faire. Vous pouvez aussi mettre une main là et appuyer l'autre ben, sur votre cuisse. Donc là c'est pareil, ça fait travailler les obliques et là moi je sens vraiment mes muscles qui travaillent ici. Donc ce mouvement il est vraiment super efficace. Donc ça c'est vraiment pour avoir une taille de guêpe et un ventre ultra plat, cet exercice il est super efficace. Moi j'ai du mal à parler en faisant les abdos, hein, vous comprendrez que c'est pas évident. Quand on contracte, voilà, de faire la discussion, hein. Vous m'en voudrez pas. Allez, on souffle. Allez, on change de côté. Donc moi, je change pour être face à vous, mais vous, vous pouvez rester dans votre position et juste changer, voilà, changer de côté. Allez, c'est reparti. Là c'est pareil, on doit vraiment regarder droit là-bas pour que l'exercice soit efficace. Si vous êtes tordu comme ça ou quoi, ça va pas aller. Les épaules doivent vraiment remonter les deux parallèles. Allez, on continue, on y arrive. C'est bientôt fini, croyez-moi. Et croyez-moi cet été, si vous faites ça tous les jours jusqu'à voilà, jusqu'à juillet, vous allez avoir avant 2 TS, c'est certain. On continue. On change de mouvement, oh, je suis fatiguée. Allez, on se met sur le dos et on va travailler cette fois-ci
les abdos du bas. Donc voilà, on s'allonge bien, on s'installe les mains sous les fesses comme d'habitude, on lève les jambes et on les ramène cette fois-ci vers nous. Donc moi j'aime bien avoir le buste relevé, comme ça, ça me permet de ne pas me décontracter complètement les abdominaux. Je préfère, c'est vous qui voyez. Allez, on souffle. Je me rends compte que je suis complètement tordue. Continuez, surtout on ne bouge pas. Je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais décalée comme ça. Allez, on continue. On va y arriver. On souffle. Et le dernier. Voilà. On se remet bien donc sur son tapis. C'est bon, je suis bien centrée. On met les mains derrière la tête. On lève les jambes et on va travailler les obliques de nouveau. Donc cette fois-ci, vous vous relevez et vous allez toucher vos genoux avec vos coudes. Une fois de chaque côté. Allez, on continue. Donc vous pouvez lever les jambes comme moi, vous pouvez les croiser, vous pouvez baisser les pieds, il n'y a aucun, voilà, aucun problème. L'important c'est de venir toucher ses genoux avec ses bras. Et on continue de souffler toujours, sinon vous allez avoir des points de côté. Allez, courage, vous voulez avoir ce ventre plat là, que tout le monde a l'été à la plage. Allez, on continue, bientôt il sera à vous. On n'a rien sans rien, vous le savez, hein. Tout se paye. Mais là, c'est vraiment pas cher payé de faire quelques minutes d'abdos tous les soirs. Allez, on continue. C'est ce qui peut, voilà, vous permettre de vous sentir bien cet été. Croyez-moi, ça vaut la peine de le faire. Allez, cette fois-ci, on passe à la dernière série de mouvements. On termine avec les abdos du bas. Personnellement, comme d'hab, je mets les mains sous les fesses et on va faire des planches. Donc, on va commencer avec les jambes tendues. Là, on va faire des ciseaux. Après, on va faire des ciseaux dans l'autre sens et on va finir en statique. Allez, c'est parti. Donc là, vous n'allez surtout pas poser les pieds. Donc, croyez-moi, il faut bien respirer. Ça va être quelques secondes pour terminer intensive. Et le plus dur est à venir, donc croyez-moi, gardez des forces. On continue, allez. On y va, on lâche rien, moi aussi j'ai mal au ventre. On continue. On reste ici et on fait dans ce sens-là. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0, on reste en, voilà, en statique. 3, 2, 1, 0, on a fini. Ouh, j'en peux plus. Je suis crevée, j'espère que vous aussi, vous avez bien travaillé vos abdos. Alors, à quelle fréquence je vous recommande de faire ça? Aussi souvent que vous le souhaitez, donc bien sûr pas plus qu'une fois par jour. L'idéal, c'est 3-4 fois par semaine. Donc moi j'en fais pas aussi souvent parce que voilà, j'ai pas le temps de travailler voilà, tous les muscles du corps 3-4 fois par semaine. Donc j'en fais personnellement 2 à 3 fois par semaine et c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Si vous avez le temps, vous en faites un jour sur deux. Si vous avez le temps, vous en faites tous les jours si c'est votre priorité. Voilà, il n'y a pas de mal à faire trop d'abdos, sachant que c'est quand même un exercice qui est doux et pas très long. Donc faites bien attention à ne pas vous faire mal à la nuque, de surtout pas tirer sur le cou. Voilà, vous mettez vos mains ici, mais c'est même pas nécessaire de les garder ici. Vous pouvez les mettre sur les épaules, ou voilà, c'est vraiment pour vous occuper les mains. Ça ne doit pas tirer sur le cou. Quand vous faites des mouvements avec le bas du dos, si vous avez tendance à avoir des scolioses, etc.,
Mettez bien vos mains derrière le bas du dos, ça va vous permettre de caler votre dos et de ne pas creuser, donc ça c'est super important. Et en plus, vous allez être contente, ça rend l'exercice un petit peu plus facile. Voilà, j'espère que vous avez bien transpiré, que vous êtes bien fatigué, du moins autant que je le suis. J'espère que cette vidéo sera utile donc à toutes celles qui m'avaient demandé des exos pour les abdos. N'oubliez pas de mettre le hashtag bikini avec Sissi sur tous les réseaux sociaux dès que vous faites voilà, un exercice, dès que vous posez des photos de vos plats, de votre alimentation, de ce que vous faites comme sport, etc. Je serai ravie de savoir que vous participez donc à ce, voilà, ce projet. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo bikini avec Sissi. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt les filles. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, donc c'est la partie nourriture. Donc j'ai deux produits, donc c'est pas énorme à vous parler. Donc le premier c'est un thé, alors enfin c'est pas vraiment un thé, donc là je l'ai mis dans la boîte Kushmiti, mais je l'ai acheté en vrac hein, à la base. C'est en fait une infusion de fruits, donc c'est voilà, c'est comme ça. C'est des fruits séchés qui en fait vont infuser dans votre eau. Et alors c'est vachement parfumé. Moi j'ai été super surprise, je pensais que ça allait être...